aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo spéciale, je vous montre mes cadeaux d'anniversaire. Oui, mais récemment c'était mon anniversaire et ma famille, mes amis vont vous faire des cadeaux. Et je voulais vous faire une vidéo pour vous montrer tout ça. Il y a du Harry Potter et du non Harry Potter. Voilà, il y a un peu de tout. Mon premier cadeau, c'est un nouveau téléphone. Là, l'autre était un peu vieux et il a pu faire son temps. Voilà. Le prochain cadeau, c'est une magnifique boîte en forme de cadeau. Mes amis me connaissent bien, ils ont pris une couleur serpentard, j'adore. Pour aller dans mon petit décor, c'est super, je kiffe. Et dans cette petite boîte, plein de petites choses. Je vous montre tout ça. Voilà, une petite carte d'anniversaire. Il y a... Hop là, un petit porte-clés Harry Potter que je n'avais pas. Un petit baume à lèvres qui papier qui jean était en chinois, tout ça. Parfum fraise, voilà, ils sont super bons. Je l'ai essayé et la qualité est pas mal. On a des boules de bain. Ça fait très bien, je suis une grande fan de boules de bain. Ils m'en ont offert une deuxième, je kiffe. Une petite bouillette, trop sympa, trop rigolote. Qui fait chaud et froid, j'adore. Des petits masques en forme de chien et de zèbre. La preuve qui me connaît bien, j'adore les masques. Un petit parfum. Une autre petite bouteille de parfum, mais c'est pas du parfum, mais c'est des paillettes, c'est super, je kiffe pour Noël, tout ça, ou pour faire des petites soirées. Des bougies, j'adore les bougies, je kiffe. Et mon côté gourmande, je suis une grande fan de chocolat, ils m'ont mis plein de petits billets au chocolat, j'adore. Pour ce premier cadeau, après, on va pousser tout ça parce que ça prend un peu de place. J'adore ce style de cadeau, faire une boîte et plein de trucs dedans, je kiffe ce genre là. J'ai une autre amie m'a offert un truc utile pour la maison. Voilà la preuve qu'on adore inviter les gens, l'apéro tout ça. Hop, un saladier pour mettre des gâteaux d'apéro, tout ça, je kiffe. Ou pour mettre des desserts, j'adore faire des desserts, c'est super. Un truc utile et j'aime bien, c'est original comme cadeau, je kiffe. Ça c'était un couple d'amis. Le deuxième c'était ma meilleure amie. Mon meilleur ami qui me connaît, il m'a acheté un jeu de Harry Potter Tribal Pursuit. Celui-là c'est le format poche à emmener. Voilà, ça se présente comme ceci. Dedans vous avez le petit dé, toutes les cartes, et j'ai pas compris, ils ont mis un fromage comme ceci mais sans quartier de fromage, j'ai pas compris. Faut que je regarde pourquoi c'est comme ça, que je lise la notice. Super à emporter si tout petit pour aller dans des soirées, tout ça. On est des fans de jeux société et à emmener, c'est super. Je le voulais, mon chéri voulait me l'acheter, une chose qu'il n'a pas acheté. Mon chéri m'a acheté des jeux société. Je suis une grande fan de jeux société. Voilà, c'est Marshmore, c'est super marrant, on l'a testé, on est parti à rire. Voilà le principe, c'est vous avez comme chez le dentiste un écarteur et vous avez des phrases à lire, il faut que votre partenaire retrouve la phrase exacte et vous gagnez la carte. Le deuxième jeu qui m'a offert aussi, je suis une grande fan de Monopoly, mais je suis toujours la première qui perd. J'aime bien le jeu là, mais je perds tout le temps. Et il m'a dit, avec mon meilleur ami, j'étais la mauvaise joueuse avec lui. Il m'a acheté la formule mauvais joueur. Il est super. On l'a aussi testé, on l'a adoré. Sachant que je joue Monopoly normal, qu'on a la vieille version, la toute première. Et voilà. Ouf, attendez, je vais vous mettre à l'endroit. Voilà comment ça se présente.
franchement, les cartes sont super jolies, le plateau est sympa. Les règles, ils changent sur certaines choses. Je le trouve super. Si vous avez des amis qui sont mauvais joueurs, ça fonctionne. J'ai mon meilleur ami qui est mauvais joueur, il a réussi à gagner. Mais moi, j'ai encore perdu, comme d'habitude. Voilà, je vous ai présenté mes petits cadeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a un peu de tout. Mais on est vraiment des grands fans de jeux de société. Et j'adore ça. On en a maintenant une dizaine. Et chaque mois, quand on peut, on s'achète un petit jeu de société. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, bye, bisous. N'oublie pas de t'abonner et de liker. Allez.